Salut à tous! Aujourd'hui, Luc Alexandre vous retrouve non pas pour Dofus, mais pour quelque chose de plus sombre. Slender! Eh oui, Slender, les 8 pages, The 8 Page, en original. Alors, Slender qui est un jeu vidéo de type horreur qui est censé faire peur. Ah oui, oui, le but est de nous plonger au plus profond de la peur. Ça marche pas mal, perso. Oui, non. Oui, franchement. Donc, il est gratuit, il est sorti en juin 2012 sur PC et Mac, créé par l'équipe de développement Parsec Productions. Ah, donc, c'est on vous mettra le lien dans la description si vous voulez télécharger. Vous éclatez. Oui, en période d'Halloween, il faut dire que c'est le genre de truc qui peut faire kiffer plein de monde. Alors, le but du jeu est simple, il faut récupérer 8 pages dissimulées dans toute la map sans que le méchant petit Slender ne vous chope. Donc, si vous voulez pas ce qu'il sait, Slender, bah, il passera. Voilà, bah là vous le voyez, voilà. Donc c'est lui Slender. Vous pourrez voir sur la vidéo, de toute façon tout au long, on aura le moyen de l'esquiver jusqu'à ce que fatalement, ben... Nous fassions tuer par ce méchant. Donc, sans plus attendre, nous nous lançons dans cette forêt pour se faire massacrer. Bonne vidéo à tous. Ah, Parsec Productions. Je vais l'esquiver, tu vois. T'as intérêt, oui. Il va moins faire le malin. Clic, ça va passer l'intro. Oh. Présente. Collect on 8 pages. Alors, on est perdu dans une forêt, on doit collecter 8 pages. En même temps, il y a un pédophile homosexuel zoophile qui nous suit. Thaïlandais. Et en même temps, il est hollandais. Et thaïlandais, oui, en fait, c'est pas en fin de partout. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est dans les bois, seul, à l'approche d'Halloween, dans le noir, et puis qu'il y a un psychopathe psychotique qui traîne dans le coin, tu vois. Psychopathe psychotique. Enfin, pas un psychopathe. Ah, j'ai déjà l'arbre mort en face. Nickel. Donc il y a des petites feuilles dispersées dans toute la map. Des feuilles de papier. Mais on doit les trouver en fait. Et malheureusement pour vous, ce n'est pas des slibs. Et contrairement à l'autre version, elle brille pas les fleurs et les feuilles. Putain, je suis obligé de jouer avec le pavé numérique parce que... Quand tu veux, là. Can't run. T'as pas à courir. Rage 1 sur 8. Tu vas réveiller la colère de Slender. Je vais continuer dans ma lignée. Déjà une page. Oui. Ok, il y a le bord de map. Y'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a pas? Attends, la partie que j'ai faite tout à l'heure, je l'ai quand même esquivé 4 fois le bordel. Oui, bah tu as intérêt de faire pareil là, parce que je peux les 8 pas sur mon bureau demain à 8h. Attention, il n'y a pas de table. Encore un grillage. Pas beaucoup de différence avec la qualité fantastique. Il y a une page sur le camion, normalement. Attention. No. I am here for you. 2 pages sur 8. Putain, mais il est où ce méchant? Plus loin possible, c'est mieux. Je vais continuer tout droit. Toujours tout droit. Et 2 pages sur 8, ça fait déjà pas mal. Hein. Ouais, ça fait. Ça fait 2 pages sur 8. Grillage. Grillons. Vous ne verrez plus jamais des bois de la même façon. Oui. C'est l'histoire, on va faire un petit tour dans les bords de vinaigre. Histoire de voir son gros slender. T'es en terrain vague là, non?
Ah. Oh putain. Non, j'ai un mauvais souvenir de ça. Mais ça, c'est la vraie version. Hein. Oui, je sais, mais. Il y a bien une page qui doit se cacher là-dedans. Ouais, mais s'il y a que la page, ça serait nickel. Ah, ça aurait beaucoup moins bien que dans la version d'après. Hein. 3 sur 8. T'entends le bruit, j'ai même pas envie de continuer tout droit. Ouais, mais bon, on va le faire pour vous, cher abonné. Oui, oui. À l'approche d'Halloween, on a envie de vous faire parcourir les frissons sur tout le corps. Enfin bref, on se replonge dans cette forêt obscure. Oh, ah, mais ok, là, ok. Oula, stop flou. Alors, j'ai éteint ma lumière. Hein, si vous connaissez pas le jeu, on peut l'éteindre avec F. Je vais la rallumer. Qui serait dans... Je sais pas si vous l'avez vu, mais il était juste en face. Hein. Vous pouvez reculer dans la vidéo pour si vous voulez le voir. Il était juste en face. Et l'écran s'est brouillé quand on l'a vu. Là, parce qu'il est radioactif, hein, une sorte de Tchernobyl, le truc. Ouais. Enfin, ça, c'est ce que je dis après. Il est con, ce type, maintenant, on est plus. On les voit seuls. De toute façon, on est là-dessus. Oh putain. J'ai une sensation déjà vue. C'est peut-être parce qu'on a déjà vu le camion. Ouais, c'est ça. Yeah. Attends, on va quand même rester dans l'ambiance glauque, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Tu vas taper dans le grillage. Alors étant donné que le grillage est là, je vais essayer de partir en diagonale comme as. Ah, comme as, attention. Oh putain. Peur, ce con. C'est un arbre. Oh punaise. À force de vouloir esquiver les arbres, tu vas lui tomber dessus. Ah, il va tomber dessus. Moi, je cherche les feuilles à la base. Je ne cherche pas Slender. Oh putain, il était où? Oula. Tu l'as vu, toi? Non. Il était où là? Je sais pas! On aurait dit que vous êtes passés l'un à côté de l'autre! Ouais! Waouh! Attends. Je viens de là, je vais me coller à l'arbre et je tape un 3-6. Je vais te poser une question. Quoi? Tu passes à côté de... Ah putain, non! Il est où? Je sais pas! Putain! J'allais dire, le jour où tu passes à côté d'un tueur, tu t'arrêtes une fois que tu passes à côté? On est dans un jeu, c'est complètement différent. Ouais, bah oui! Je crois qu'il traque, ça y est. Ah ouais, ok, d'accord, il est derrière moi, donc les gars, on va courir. Chers abonnés, si vous voulez voir la suite, eh ben, vous demanderez à la morgue. Si je laisserai une cassette dans mon cercueil. un peu la manière de Jigsaw. Et normalement, si je me retourne, il est encore là. T'as les boules, hein? Normalement. C'est moi qui te fais peur, là. Du moins le malin, hein. Et là, je dis direct. Ah, c'est moi le patron, Slender. Je suis patron malin maintenant. Oui, je vous rappelle que Slender est... Slender, il vaut rien en colis. C'est une sorte d'humanoïde noir avec une grosse tête d'ampoule blanche. Non, il est pas noir, il a un costard. Un costard noir. Ouais, mais il est pas noir, partiel. Oui, non, mais... Au contraire, le mec est tout blanc, le mec est tout pâle, il a pas de visage en fait. C'est tout plat son visage. Ah, alors est-ce que c'est de la faute des designers qui ont eu la flemme de lui faire un visage ou est-ce que c'est bien pensé? Non, c'est pour montrer que c'est une créature humanoïde, tu vois, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors dans tout ça, j'ai oublié de chercher les feuilles. Hein, Oui, voilà. Oula, ouais, il m'a fait peur, Star Wars, je trouvais qu'il y a un peu trop. Ah, je sais absolument plus où on est, moi. Ah, bah moi non plus, là, il m'a fait courir dans tous les sens, ce con-là. C'est ce qu'il cherche en plus, parce qu'il défend ses feuilles. Slender veut des feuilles, il défend ses feuilles. Ah, vous savez, un carnet de papier maintenant. Alors peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites, mais on voit absolument rien. Mais nous c'est pareil, hein, pas de soucis. Oui, voilà, tout ce qu'on a c'est une misérable petite lampe et Alexandre qui se dirige tranquille pendant que je l'observe avec les yeux. Toujours en rien. Vous voyez Alexandre en train de se pencher devant son écran pour voir, essayer de discerner quelque chose. Ok, ça c'est un grillage, c'est cette porte de la map. C'est très con qu'ils prennent en étau contre le grillage.
C'est ce truc où tu tapes un sprint et que tu tapes dedans. Oh Slender, viens ici si t'as des couilles. Des bonbons ou un sort? S'il va te péter un sort, tu vas pas comprendre. S'il me fait des bonbons avant, c'est pas grave. C'est rentable. Tu me diras. Essaie de trouver le centre de la carte. Ouais. Oh, pas bon. Monsieur Coton-Tige, où es-tu? Après l'homme cacahuète, l'homme Coton-Tige. Alors. Attends, où il est? Alors. Je suis contre le grillage, là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. T'es pour mon plein de camp en bousse, là. Pleine forêt. Bah, tu vois. Ah, bah, oui, c'était pas contre. Ah tu vois, mais je l'avais bien entendu. Je l'avais bien entendu. Putain le con. Oh le con, il m'a trois pages. On a même pas la moyenne. Putain, ouais ça me plaît. Bah au moins ça fait comme au lycée. C'est ce que j'allais dire.